R de covoiturage illustration copyright Fabrice Elsner le prévenu a reconnu une dizaine d'agressions sexuelles sur des trajets entre Nantes et le Pas de Calais. Il droguait les passagères avec du chocolat trafiqué et profitait d'elle ensuite. L'enquête a démarré après la découverte d'anxiolytiques dans le sang d'une victime. Un nantais de 52 ans est jugé à partir de ce lundi au tribunal correctionnel de Nantes pour administration de substances nuisibles et agression sexuelle. Les faits produits en 2014 sur des trajets de covoiturage effectués entre la région nantaise où il séjournait et le Pas-de-Calais où il se rendait régulièrement pour y voir sa famille. Le conducteur rencontrait ses victimes via le site Blablacar. Le prévenu a expliqué aux enquêteurs qu'il droguait. Ses passagères à l'aide d'anxiolytiques mélangés à du chocolat qui le reconstituait. Il a également reconnu des attouchements sur les cuisses, la poitrine ou les fesses des victimes se trouvant une fois droguées dans un état second. Des traces d'anxiolytiques dans le sang. L'enquête a été ouverte à la suite d'un dépôt de plainte d'une jeune femme qui avait fait un trajet. Avec lui en février, entre Saint-Omer-Pas-de-Calais et Le Mans, prise de vertige, la jeune femme avait été admise aux urgences où les médecins avaient décelé des traces d'anxiolytiques. Au total, une. Dizaine d'agressions ont été reconnues. Mais les enquêteurs craignent qu'il y en ait d'autres. Le prévenu a en effet transporté une cinquantaine de personnes sur une durée de neuf mois. Il aurait agi par détresse affective.